Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Grand Père, chers enseignants, chers parents, chers élèves, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Et bonne fête. Nous voici comme des enfants. Nous voici réunis autour de notre Père pour le chanter, le glorifier, lui dire merci pour ses bienfaits et son amour incommensurable. Nous voici comme des enfants, mais nous voulons, au début de cette célébration eucharistique, reconnaître que nous ne sommes pas toujours obéissants. Nous ne sommes pas toujours des enfants soumis, des enfants obéissants. Nous ne sommes pas toujours fidèles à l'enseignement de notre Père. Voilà pourquoi au début de cette célébration eucharistique, nous demandons à Dieu pardon. Pardon pour notre désobéissance. Pardon pour nos manquements. Pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
Seigneur. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, les versets 1 à 6. Frères, si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Alors tenez bon et ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous recevez la circoncision, le Christ ne vous servira plus à rien. Et je l'atteste encore une fois. Tout homme qui reçoit la circoncision est obligé de mettre en pratique la loi de Moïse tout entière. Vous qui pensez devenir des justes en pratiquant la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Mais c'est par l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons de voir se réaliser pour nous l'espérance des justes. En effet, dans le Christ Jésus, peu importe qu'on ait reçu ou non la circoncision, ce qui importe, c'est la foi agissant par la charité. Parole de méditons ensemble le psaume 118. Après chaque strophe, nous répétons. Que ton amour vienne jusqu'à moi. Ensemble. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut. Selon ta promesse, n'ôte pas de ta bouche la parole de vérité. Car j'espère tes décisions. Ensemble. Vienne jusqu'à moi. J'obligerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Ensemble, que ton amour vienne jusqu'à moi. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés. Je les aime. Je médite sur tes ordres. Ensemble, que ton amour vienne jusqu'à moi. Ensemble, que ton amour vienne jusqu'à moi. Thank you.
vous. Évangile Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et se mit à table. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait son ablution avant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, joie pour les peuples d'aujourd'hui, joie pour les élèves de la sixième année fondamentale, joie pour les élèves de NS4, joie pour toute l'école, pour tous les élèves. Joie pour nous tous qui sommes là aujourd'hui dans ce lieu saint. Joie pour nous qui sommes parvenus, qui sommes arrivés au terme de cette année scolaire 2019-2020. L'année n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de turbulences. Il y a eu le pays Loc qui nous a fait rater des semaines et même des mois de classe. Il y a eu malheureusement le confinement à cause du COVID-19. On n'a pas pu travailler comme il fallait. Mais Dieu merci, nous sommes au terme de l'année. Nous avons pu boucler l'année. Et nous sommes là ce matin, aujourd'hui, pour dire merci. Nous sommes là pour rendre grâce. Donc, on pourrait baptiser ce jour, jour de gratitude, jour d'action de grâce. Action de grâce à Dieu, gratitude à Dieu qui a réalisé, qui a accompli tant de merveilles dans notre vie. Est-ce que vous voulez dire merci à Dieu? Vous voulez dire merci à Dieu? Pourquoi? Venez, les personnes qui aimeraient répondre, venez prendre le micro.
les enfants qui aimeraient répondre. Pourquoi on veut dire merci à Dieu? Personne ne veut dire merci à Dieu? Qui veut dire merci à Dieu? Qui? Venez. Pourquoi tu veux dire merci? Parce que... Parce qu'il a pris soin de nous. Parce qu'il... Oui, parce qu'il nous aime. Ah, bravo! Dieu nous aime. Et toi-même? Parce qu'il m'aide à faire de bonnes moyens. Ok, très bien. Parce qu'il nous a donné de ce goût divin. D'accord. Et toi-même? Il me fait beaucoup de bien. Ok. Et toi-même? Parce qu'il nous a sauvés. Ah, bravo. Parce qu'il nous donne de la santé. Bravo. Viens, mon enfant, mon garçon. Comment tu t'appelles? Joanne Gagnel ici. Ok, est-ce que tu veux dire merci à Dieu? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu aime tout le monde. Ah, bravo! Et toi, ma fille? Merci. Pourquoi tu veux dire merci? Parce que bon Dieu fait me passer. Ok, et toi-même, ma fille? Il m'a donné l'intelligence. Ah, très bien. Dieu nous a donné l'intelligence. Parce que Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la vie. Parce qu'il nous a protégés pendant le confinement. Il nous a protégés. Parce qu'il nous a donné des miracles. Ok, il a réalisé des miracles. Parce qu'il a mouru pour nous sur la croix. Ah, bravo. Parce qu'il nous a donné la vie. Très bien. Parce qu'il nous a guéri. Il nous a guéri. Parce qu'il nous couvre contre le coronavirus. Très bien. Tourne-toi. Parce qu'il nous a donné des miracles. Ok, merci. Parce qu'il nous a guéri dans le confinement. Bravo. Parce qu'il nous a fait des miracles. Ok. Parce que dans les moments difficiles, Dieu reste auprès de nous. Bravo. Parce qu'il nous a donné des bénédictions. Bravo. Parce qu'il donne la sagesse. Bravo. Parce que son fils est mort pour nous sur la croix. Ah, excellent. Bravo. Nous avons de bonnes raisons de dire merci à Dieu, de rendre grâce à Dieu. Cette journée est une journée de gratitude, non seulement envers Dieu pour ses bienfaits, mais aussi envers les personnes que Dieu a placées sur notre route, sur notre chemin. Est-ce que nous sommes seuls sur la route? Le Seigneur est avec nous. Ensuite, le Seigneur nous a donné des personnes, des amis, des compagnons, des personnes pour nous accompagner sur la route. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui non seulement prendre le temps pour dire merci à ces personnes,
mais aussi pour les offrir au Seigneur, pour demander au Seigneur de les bénir abondamment. C'est une journée de gratitude envers la direction de l'école, envers Révérend Père Sénal Normil, le directeur de l'école, envers Révérend Père Jean Anaël Bonhomme, directeur adjoint. Gratitude à l'endroit du Révérend Père Salomon MacArthur, notre accompagnateur spirituel, notre professeur. Gratitude envers Madame Eunive, Madame Mercilia. Qui d'autre vous aimeriez remercier? Les enseignants, les professeurs, ils font un travail extraordinaire. Ils font un travail de titan. Et nous voulons leur exprimer toute notre gratitude, toute notre affection. Je vous demande d'applaudir vos professeurs, vos enseignants. Ils le méritent. Ils se sacrifient pour vous. Ils se sacrifient pour l'école. Nous leur sommes très reconnaissants. En plus des professeurs, qui d'autre voulez-vous remercier? Qui d'autre? Qui d'autre à l'école? À l'école, qui d'autre? Les cuisinières. Les cuisinières. Elles nous donnent chaque jour des repas copieux. Pas vrai? Est-ce que vous avez bien mangé à l'école? Est-ce que vous mangez bien à l'école? Grâce à qui? Oui, grâce à Dieu, grâce aux bienfaiteurs, grâce aux personnes qui nous aident, mais aussi grâce aux cuisinières. Nous les applaudissons. Nous voulons aussi dire merci au Seigneur. Offrir au Seigneur les ménagères. Ce sont elles, les ménagères, ce sont elles qui nous aident à garder notre établissement, notre école propre. Ce sont elles qui nettoient tous les jours, matin, midi et après-midi, l'école. Nous voulons de tout cœur leur dire merci. Nous disons aussi merci aux garçons, aux gardiens. Merci à nos parents qui sont là. Où sont les parents? Les parents, où êtes-vous? Ah, nous applaudissons nos parents. Vos parents, applaudissez vos parents. Et il y a d'autres personnes qu'il faut remercier. Il y a d'autres personnes à qui il faut dire merci. Merci à vos camarades. Ils vous encouragent, ils vous aident. Merci à toutes les personnes qui jouent un rôle important dans notre vie. Nous prions pour elles, pour que le Seigneur continue
à les bénir. Chers enfants, il est toujours bon de dire merci. Il est toujours bon d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance envers les personnes qui nous font du bien, envers les personnes qui nous aident, envers les personnes qui nous sont utiles, qui nous sont chères. C'est tous les jours, à chaque moment, à chaque instant, que vous devez montrer à vos parents, à vos enseignants, aux autres personnes que vous appréciez les services qu'ils et qu'elles vous rendent. Notre gratitude aussi s'en va à notre maman du ciel, la maman de Jésus, la maman de l'Église. Comment s'appelle-t-elle? La Vierge Marie. Aujourd'hui, nous la vénérons, nous la célébrons sous le vocable de Notre-Dame de Fatima. La Vierge Marie qui a fait son apparition, qui est apparue à trois petits enfants. Aujourd'hui, nous rappelle la dernière apparition de la Vierge Marie à trois petits enfants. Comment s'appelle-t-il? Les trois petits enfants à qui la Vierge Marie est apparue, Lucie, Jacinthe et François. Lucie, Jacinthe et François. L'un des messages de la Vierge Marie à ses enfants, c'est de prier le rosaire, de prier le chapelet. Et ce message est adressé à chacun de nous. Marie nous invite à prier Dieu, à prier Jésus, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous nos bienfaiteurs, pour notre école, pour notre établissement, pour toutes les personnes qui sont là pour nous à l'école. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu vous accompagne. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu accompagne les élèves de la sixième année fondamentale, les élèves de la neuvième année fondamentale, les élèves de NS4 qui auront à subir sous peu, les élèves de NS4 qui auront à subir sous peu les examens officiels. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu vous bénisse tous et vous aide à grandir sous son regard en sagesse, en bonté, en connaissance et en intelligence. Amen. Nous devons prier en tout temps. Nous devons prier en toutes circonstances. Nous devons prier pour nous-mêmes, pour le monde, pour l'Église et pour toutes les personnes qui connaissent des moments difficiles. Je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, chers enfants, à adresser au Seigneur vos demandes, vos intentions de prière. Mettez-vous debout et ensemble, prions le Seigneur.
nos prières. Pour l'Église universelle, en particulier pour notre pape François, les évêques et les prêtres, Seigneur, que tous les membres de ton Église soient à travers le monde les artisans de ta paix et les témoins de la joie qui vient de toi. Nous t'en prions. Prions pour tous les pays qui connaissent des actes de violence. Seigneur, donne à leurs gouvernants et à tous ceux qui vivent dans la méchanceté d'écouter les messagers qui les invitent à poser des gestes de paix. Nous t'en prions. Entends nos prières. Pour tout élève yo qui finit année l'école là en bien. N'a pas prier spécialement pour Silayo qui n'a examen, ak Silayo qui gen pour aller. Ta pri gomet faire au bail le meilleur de eux même. Comme ça, yo va faire content par voir yo ak l'école là. Grand maître, coûte voir nous. Prions pour notre communauté paroissiale, pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux que nous aimons, notamment nos parents et nos professeurs. Permets, Seigneur, que ta présence nous comble de joie. Aide-nous à la partager là où nous vivons, à l'école, en famille ou avec nos amis. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières, montez vers toi. Prions encore le Seigneur. Seigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toute vraie prière, écoute les supplications de ton Église. Fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
prions ensemble. On offrira à Dieu le sacrifice de toute l'Église. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous dans ta bonté une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière. En choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, c'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire Ducange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Sur nous tous, enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, les parents de ses élèves. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparée de toi. Amen.
Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Révérend Père Francky Désir, curé de cette paroisse et premier directeur de l'école Notre-Dame d'Altagrâce. Révérend Père, chers professeurs, chers parents, chers élèves, bonjour. Bonjour. Nous disons merci à Dieu de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir boucler cette année, combien difficile. Nous disons merci également au révérend Père Francky Désir, le directeur de cette école qui a présidé cette belle célébration. Il a présidé pour nous cette cérémonie. Nous disons merci à Dieu et nous disons merci au révérend Père Francky. Merci également aux membres de la direction, merci aux professeurs qui ont travaillé, je dirais, assidûment durant toute l'année, malgré les difficultés rencontrées, mais ils sont arrivés pour boucler cette année scolaire. Nous avons aujourd'hui quelque chose de spécial à faire dans cette célébration. Mais ça concerne la classe de la sixième année. Nous savons que autrefois il y avait les examens du certificat d'études primaires et ça fait quelques années, ça fait quelques temps que l'État enlève cet examen, mais cela ne nous empêche pas à marquer ce moment, marquer ce passage de la partie primaire à la partie secondaire. Et c'est la raison pour laquelle il y a Mme Caroline, qui est l'enseignante de la sixième année, qui va, en quelques phrases, en quelques mots, nous parler de ses élèves. Elle va appeler les élèves. Enfin, ils vont venir ici progressivement. Et à chaque fois qu'elle appelle un élève, elle va vous dire qui est réellement cet élève.
Et nous profitons également pour dire merci à Mme Caroline qui aime tant ses élèves. Et je crois que les élèves également aiment beaucoup Mme Caroline, n'est-ce pas vrai? Oui. Vous n'aimez pas Mme Caroline? Oui. Je demande à ses élèves d'applaudir chaudement Mme Caroline. Voilà. Merci. Merci. Aris Forlin, timide et ses filles très timides, voire même capricieuse, mais une main de fer l'aidera sûrement à atteindre ses plus objectifs. Obel Rosemilla, la culture de la jovialité et sa marque en fabrique très sérieuse et appliquée. Auguste Saskia, très charmante, sympa, donnante et peut se chérir une place au club des élèves travailleurs. Augustin Olivia, elle est très affectueuse, amicale et attachante. Par-dessus tout cela, elle doit cultiver l'amour du travail. Benoît Christy, toujours souriante, cordiale et affectueuse, aime aider lors des séances de production écrite. C'est une future scénariste ou écrivain. Bernadette Lémy, elle est très honnête, très caressante. Elle aime vraiment aider ses camarades, surtout les élèves de la cinquième année peuvent en témoigner. Un bon guide, une élève au top et une fille assez conséquente. Bertrand Yuvika, elle est très souriante. C'est une élève qui se mue souvent et on peut compter là-dessus. Camillus Wilkins, très studieux et appliqué. Il doit se réveiller quand même s'il veut feindre l'est pour parler de ses futurs camarades du secondaire. Cassignol Bébé Christy. Elle est très capricieuse, charmante et appliquée à ses études. C'est un exemple parfait de ce qu'on pourrait appeler se soucier de l'éducation. Désormais, Claude Nel. Très sérieux et à l'aise dans ses vêtements. Il n'est pas seulement le Dessalines, mais c'est le petit sérieux de la classe. Du Mornay, Patrice Ziara. Elle est très sage, très joviale, très sérieuse et très attentive. Exima Michaïna, très capricieuse,
donnante et charmante. Elle a un sens de responsabilité et son application à ses études lui ont taillé une belle place au cœur de cette promotion. Florent Loude Julissa. Pour cette fille, elle peut être comparée au courant alternatif en ce qui ayant rapport avec les matières. Son affection n'a pas d'égal et aime se mettre à la tâche. François Regina. C'est la plus développée de la classe. Timide quand il s'agit de pointer sa grosseur. Mais son cœur d'ange, son sourire, son amour pour ses camarades polit le tout. François Rose Sergia, la présidente de la classe. Très sensible, affectueuse, très réservée. Elle fait partie de ceux qui aiment valoriser les professeurs dans son cadre assez large où naît, on peut dire, c'est le chef d'orchestre de la classe. Kerville Valentina, timide, mais très appliquée et très laborieuse. Jacqueline Wilken, très serviable, fait partie de ceux qui savent que rien ne se gagne au hasard. Affectueux et bon dessinateur. Jean-Baptiste Kenya. Elle est très appliquée à ses études. Son plus grand point noir est peut-être le fait d'être toujours jovial. Jérôme Navinsley. En ce qui ayant rapport avec la turbulence, on peut le mettre dans la peau d'un cyclone. Nec sérieux, comme surnom de classe, il l'a acquis grâce à son attention soutenue et son amour du travail. Carrie Joseph. Bon, quand il s'agit de parler de Carrie, il faut respirer avant tout. Elle a un sens de responsabilité énorme, travailleuse et appliquée. Elle fait partie du club des autres professeurs titulaires de la classe. Dévouée et dynamique, les plus bonnes qualités lui ont été sans doute décernées par le très haut. Lucien Gaëncha Emmanuela. Elle se comporte comme un bébé. Toujours a envie de jouer, mais n'empêche pas qu'elle sait quand se mettre à l'œuvre. Mérélus Netti, sage, joviale, si on combine une main de fer avec serviabilité, sûrement cela portera fruit. Nerville Kenan Daniel, très serviable, aimable et ceci très appliqué et travailleux. Paul Keisha, la pleurnicheuse, on peut dire qu'elle est la grande maman de la classe. Elle aime travailler et s'applique durement.
Pierre Corlin Saint-Jonathan, très gentil, sage, affectueux et il est très studieux. Pierre Dionica, on peut dire qu'elle deviendra un jour astronaute, car elle s'écarte souvent de l'éducation. En compensation, elle est très sage et appréciative. Pierre Samantha, elle est très appliquée à ses études, toujours calme comme l'eau au repos, et ceci très réservé. Prévost Christian, observateur, gentil, affectueux, construit sa personne et la manière qu'il travaille en vue de réussir. Réjoui, très timide, mais il est très appliqué dans la matière basique, toujours sérieux. Médine Richard, très capricieuse, se met souvent au service des autres et aussi appliquée à ses études. Saint-Éluce Nétier, une fille assez sage, aimable, mais elle doit avoir un guide pour la booster. Sena Faneara, très calme et sereine. Elle est aussi gentille, appliquée et très affectueuse. Cécère Lauriane, très laborieuse, coopérative, donnante. Peut-être que l'on devra fermer boutique afin d'éviter qu'elle ne vole la vedette de la classe, c'est l'américaine, dit-on, de la classe. Sona Beverly, c'est la petite pipirite de la classe, mais très dévouée, attentive et aime donner des explications aux autres. Silus Yuslanda, sensible et très appliquée. Elle a le sens de la responsabilité. Félix Naïka, nouvelle venue, très calme, très dévouée. Les élèves lui entaillent une belle place en plein cours de cette promotion. Fabiola, elle est aussi nouvelle, mais elle se distingue de Félix, de par sa gaieté et s'intéresse beaucoup à ses études. Ce sont ceux et celles qui ont écrit leur nom en lettres d'or dans la liste de cette promotion baptisée le flambeau des Excelsior. Que durant la fin de leurs études, leur carrière professionnelle et famille, ils continuent toujours et encore à marquer leur entourage de leur qualité excellente. Et maintenant, ils vont chanter le chant qu'ils avaient chanté tantôt, chanter avec moi le Seigneur. Et je vous invite à chanter avec eux, chanter avec moi le Seigneur.
Ou encore, vous pouvez rester pour apprécier le chant d'action de grâce que les élèves vont chanter. Thank you.
disons merci aux élèves de la sixième année. Ils peuvent regagner leur place. Et maintenant, les élèves de la sixième année vont faire une sorte de passation du flambeau aux élèves de la cinquième année. Ils vont se mettre devant. Les élèves de la sixième année, merci, vous pouvez venir, vous gagnez vos places. Regagnez vos places, vous pouvez venir. Merci. Il y a le comité ou encore quelques élèves de la sixième année qui vont passer le flambeau du succès, le flambeau de la détermination, de l'engagement aux élèves de la cinquième année pour pouvoir hisser le drapeau de l'éducation bien haut. Les élèves de la cinquième année vont répondre. Nous recevons et acceptons ce flambeau en signe d'amour et de respect que vous nous portez. Nous vous promettons de ne pas vous décevoir. Nous travaillerons à ce que là où vous serez, vous soyez fiers de nous et de l'école. Bon début d'études secondaires. Et
Maintenant, j'invite tous les élèves de l'école Notre-Dame d'Altagrâce à se mettre debout pour entonner l'hymne de l'école. L'école Notre-Dame d'Altagrâce, nous sommes tous très efficaces. Dans cette école, chacun a sa place, si on est studieux et vivace. Oui, nous voulons travailler et apprendre avec discipline, joie et détermination. Oui, nous voulons travailler et apprendre pour hisser le drapeau de l'éducation. Si nous travaillons avec ardeur et suivons le conseil des professeurs, nous allumerons dans notre cœur la flamme d'un avenir meilleur. Oui, nous voulons travailler et apprendre avec discipline, joie et détermination. Oui, nous voulons travailler et apprendre pour hisser le drapeau de l'éducation. Les années passent et ne reviennent pas, tâchons de nous mettre au pas, avant qu'il soit trop tard, le temps perdu ne se rattrape pas. Oui, nous voulons travailler et apprendre avec discipline, joie et détermination. Oui, nous voulons travailler et apprendre pour hisser le drapeau de l'éducation. Allons au large et visons plus haut, caressons nos rêves les plus beaux. Profitons le temps, il est encore tôt, notre pays c'est pour bientôt. Nous voulons travailler et apprendre avec discipline, joie et détermination. Oui, nous voulons travailler et apprendre joie. Nous disons un grand merci aux élèves. C'était l'hymne de l'école. Maintenant, ils peuvent regagner leur place. Un grand merci. Et nous terminons avec le dernier point. Et ce dernier point concerne le révérend Père Sénal Normil, qui est le directeur de l'école, le directeur de l'établissement. Très bientôt, ce sera l'anniversaire de Père Sénal Normil, mais malheureusement, les élèves ne seront pas là parce qu'on termine avec les activités aujourd'hui, avec la messe de clôture. En ce sens, il y a des élèves qui aimeraient adresser quelques mots au révérend Père Sénal pour lui montrer leur amour pour lui. Nous faisons place maintenant à ces élèves. Ils vont se tenir devant, ils vont se tenir devant l'autel et adresser du coup les mots de joyeux anniversaire de naissance et les mots, des mots d'amour, des mots doux au révérend Père Sénal Normil.
Et entre-temps, pendant que Mme Balthazar arrange les élèves, on va encore une fois, peut-être dans une courte pause. Chacun a sa place. Si on est studieux et vivace, oui, nous voulons travailler et apprendre avec discipline, joie et détermination. Oui, nous voulons travailler et apprendre pour hisser le drapeau de l'éducation. Si nous travaillons avec ardeur, nous suivons le conseiller. Que le Seigneur t'accorde grâce, bonté, longévité sur cette terre. Bonne fête, Père Sénanomine. Pour tes bons conseils, tes encadrements qui feront de nous des citoyens de demain, nous te remercions du fond de notre cœur. Bon anniversaire, mon Père. Tu es pour nous un père aimant. Non, tu n'as pas écrit ça. Oubliez. Tu es pour nous un père aimant, un bon berger soucieux de ses troupeaux. De mon petit cœur d'enfant, je te dis un grand joyeux anniversaire, Père Sénal. Tu es bien plus qu'un père pour nous. Tu es notre ami, notre professeur, notre modèle. Nous sommes fiers de tes élèves. Joyeux anniversaire à toi, Père Sénal. Tu es né dans un mois assez spécial pour nous, les chrétiens catholiques, le mois du rosaire. Puisse notre divine mère vous couvrir sous son manteau tout au long de ta vie. Sois en fête, mon Père. Des ans qui s'accumulent à une sagesse accrue font de toi un être exceptionnel, qu'une pluie abondante de bénédictions, de grâce et de miséricorde te soit déversée aujourd'hui et toujours. Bonne récolte, révérend Père Sénal. En ce jour spécial, nous tenons à te remercier pour tout ce que tu nous as montré, la voie des biens et de, la voie des biens des beaux et des vrais. Bon anniversaire. On est heureux de vous adresser tous nos compliments et vœux de bonheur et vous souhaite de profiter pleinement de votre sagesse nouvellement acquise. Bien affectueusement,
bon anniversaire. Votre naissance a été le plus beau cadeau pour votre famille, votre communauté et pour le pays tout entier. Votre mission sacerdotale ne s'arrêtera pas en chemin. Elle œuvre en nous qui sommes vos élèves. Que cette vocation de se mettre au service des autres perdus dans le temps, que le bonheur et la joie t'accompagnent chaque jour. Bon anniversaire, révérend Père Sénal Normine. Happy birthday, révérend Père Sénal. Révérend Père Sénal, que cette journée est tout pour vous choyer et que la vie, saison après saison, vous apporte du bonheur et de la joie à profusion. Happy birthday, révérend Père Sénal. Joyeux anniversaire, révérend Père Sénal. Que cette journée soit le début d'une année de joie, de succès, et que les jours heureux succèdent aux jours radieux. Bonne fête, révérend Père Sénal Normand. Révérend Père Sénal Normil, ce jour-là est le vôtre, jour glorieux, que vous obtiennez mes voeux. Soyez heureux et brille de mille feux. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire avec tout l'amour et la sincérité de notre cœur. Devant, regarder au loin, toujours chercher le... On n'a pas le temps de perdre son temps, on est le bon, on va souffler droit devant, regarde au loin, toujours chercher le beau. Oh oh, on a sur le cœur des rapports couleurs, on va les vivre. J'ai le bonheur, la voiture sur la peau. Oh oh, le monde nous appartiendra demain. Le futur est à toi, regarde bien. Ensemble on avancera main dans la main et on chantera ensemble. Tous à l'unisson, stand artifice, nos chansons. Acapella, tous en harmonie, toujours complices et chanter. Nos voix écho et l'amour cadeau. Oh oh, on a sur le cœur de vos couleurs, on les vivra à 100 000 à l'heure. Comme au poésie, on s'évoudra des mots. Oh oh, le monde nous appartiendra demain. Ce futur est en soi, regarde bien. Et chante-toi ensemble, tous à l'unisson, sans artifice, nos chansons a cappella, tous en harmonie, toujours complices, et chanter comme ça va, pas la la la. Avancer vers demain et on chantera ensemble. La 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 la. Merci.
Ces mots ont été forts. Ce geste est vraiment appréciable. Et lorsque ce sont les enfants qui déclarent, nous pouvons croire que ces mots viennent du plus profond de leur cœur. Merci à ces élèves qui aiment tant le personnel. Mais comme vous le savez, à l'école, il n'y a pas seulement la section primaire, il y a également la section secondaire. Donc il y a des jeunes, les moins jeunes que les petits, qui vont certainement donner un petit cadeau. Et nous allons les écouter et nous faisons place à ces jeunes. Nous voulons du coup rendre un hommage chaleureux à un être vraiment exceptionnel pour la paroisse et pour nous les élèves. Il s'agit du révérend Père Sénal Normil. Révérend Père, nous voulons vous souhaiter un joyeux anniversaire de naissance. Daignez recevoir ce présent, signe de notre amour pour vous. Puis Dieu vous protège et faire fructifier votre ministère. Merci. Et on applaudit chaudement, chaleureusement. Sénat. Applaudissez, applaudissez. Est-ce que vous aimez Père Sénal? Oui. Je n'entends pas, je n'entends pas. Est-ce que vous aimez Père Sénal? Oui. Est-ce que vous aimez beaucoup Père Sénal? Oui. Et on dit ensemble, joyeux anniversaire Père Sénal. Happy birthday to you, Père Sénal. Encore une fois. Et maintenant, battez les mains. Chaleureusement, chaleureusement. Et on chante ensemble, hein? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Happy birthday to you. Merci. Vous pouvez vous mettre, asseyez-vous. Et on met fin à cette partie, en fait, à la messe et à cette partie. Vous aurez compris, après cette merveille que vous venez de produire au sein de l'église Notre-Dame d'Altagrâce, je n'ai pas de mots pour vous remercier. Je ne sais en quelle langue m'adresser à vous maintenant pour vous remercier parce que vous m'avez souhaité joyeux anniversaire dans plusieurs langues. Heureusement que j'avais déjà fait les remerciements avant la messe, ainsi je n'ai plus à les refaire.
Révérend Père Franky Désir, directeur général de l'école Notre-Dame d'Altagrâce. Révérend Père Jean-Naël Bonhomme, directeur adjoint de l'école. Révérend Père Marc-Arthur Salomon. Révérend Père Frankel Fénélus, nous avons un prêtre visiteur au milieu de nous. Il est curé de la paroisse de Lozier, c'est une section communale de Petit Gouave. Bienvenue mon père, vous êtes chez vous et merci de partager ce moment de fête et de joie avec nous aujourd'hui au sein de l'école, ou du moins au sein de la paroisse Notre-Dame d'Altagrâce. Je viens de vous écouter, de vous entendre, mes chers enfants. Je suis ébloui, je suis épaté. Je sais déjà combien vous êtes talentueux, combien vous êtes adorables, combien vous êtes merveilleux. Je sais déjà tout l'amour que je porte dans mon cœur pour vous. Mais là maintenant, vous venez de faire un miracle, comme je l'ai déjà dit. Dans cette plaque, c'est noté occasion anniversaire de naissance. Honneur et mérite au révérend Père Sénal Normil pour son dévouement, son savoir-faire, son amour et son sens de responsabilité au sein de l'école Notre-Dame d'Altagrâce. Delma, le 15 octobre 2020. Vous comprenez que l'anniversaire, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour le jeudi 15 octobre, le jour de la mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, ma patronne. Vous avez anticipé, moi j'anticipe également mes remerciements. Je vous dis vraiment merci. Et je vais chanter pour vous dire merci. C'est un M, c'est un E, c'est un M, un E, un R. C'est un M, c'est un E, c'est un M, un E, un R. C'est un C, un I. C'est un C, un I. M, R, C, I. Merci. Vous méritez aussi de chauds applaudissements. Je vais vous applaudir à travers encore un chant. C'est un B, c'est un R. C'est un B, un R, un A. C'est un B, c'est un R. C'est un B, un R, un A. C'est un V, un O, c'est un V, un O. B, R, A, V, O. Bravo. Bravo, c'est dommage. Aujourd'hui, vous avez, je viens de faire un constat, c'est que l'année prochaine, nous n'aurons pas cet espace pour célébrer la messe parce que nous sommes crasés l'église là. Nous craser l'église là l'année prochaine, nous pas besoin de l'église là pour nous capable faire messe. Merci encore à chacun de vous. Au terme de cette année académique si spéciale, les motifs de notre action de grâce, ces motifs sont multiples, ils sont innombrables. Cette année a été spéciale parce qu'elle a été marquée par différents événements inédits. Inédits, cela veut dire des événements inconnus jusque-là, des choses nouvelles, des expériences que nous n'avons pas encore faites avant. Tout d'abord, nous avons connu le pays Loc en début d'année, qui nous a ravi 3 mois de classe, 3 mois entiers de classe. Par la suite, c'était le tour du confinement dû au nouveau coronavirus, COVID-19. Et le coronavirus nous a dérobé 4 mois de travail. 4 mois de travail, cela fait 7 mois en tout pour une année académique de 10 mois. C'est pourquoi nous sommes encore à l'année académique écoulée 2019-2020 qui chevauche sur l'année académique 2020-2021. Mes chers enfants, mes chers amis, cette année sera encore plus spéciale et ici, je précise dans le bon sens du terme, si vous vous étiez appliqué à la rendre spéciale. Je reprends cette pensée, les vacances sont bien méritées et j'ajouterai, le repos est bien mérité si on a le sentiment d'avoir bien travaillé. Je reprends, les vacances sont bien méritées si on a le sentiment d'avoir bien travaillé. Vous allez vous reposer pendant quelques jours, mais ce temps de repos, vous avez mérité ce temps parce que vous avez
bien travaillé, surtout au milieu des difficultés, au milieu des tempêtes de toutes sortes. Tempêtes météorologiques, tout comme tempêtes politiques, sociales. Ceux qui ont bien travaillé, vous avez ces vacances pas pour longtemps, mais je vous invite déjà à préparer la prochaine année académique. C'est pour très bientôt. Et ceux qui n'ont pas assez travaillé, il n'est pas trop tard. Vous avez ce temps pour le faire d'arrache-pied. Mettez les bouchées doubles afin de vous rattraper. Nos prochains rendez-vous, je vous le rappelle, ce jeudi 15 octobre, c'est la fête de clôture. Nous venons d'avoir la célébration eucharistique, la messe de clôture. Nous avons la fête de clôture le jeudi 15 octobre de 9h du matin à 2h de l'après-midi. De 8h du matin à 2h de l'après-midi. Le 18 octobre, le dimanche 18 octobre, les élèves du secondaire 4 auront une messe ici à 8h. C'est avant leur examen officiel. C'est une messe de bénédiction avant les examens. À 8h dimanche 18 octobre. Et le samedi 24 octobre à 7h du matin, c'est quel événement? Le samedi 24 octobre à 7h du matin, c'est la remise des carnets pour les deux premiers cycles de la première année fondamentale jusqu'à la sixième année fondamentale. Les parents qui sont là, samedi 24 octobre à 7h du matin. Le dimanche 25, le lendemain, nous avons deux rendez-vous. Tout d'abord, je vous invite, vous tous, j'espère que l'église sera aussi comblée le dimanche 25 à 9h30 du matin. Nous avons rendez-vous avec les élèves du secondaire 4 qui vont avoir leur cérémonie d'adieu, leur graduation ici à l'église. Je reprends la date, dimanche 25, après les examens d'État, à 9h30 du matin, c'est la cérémonie d'adieu pour les élèves du secondaire 4. Et à 2h de l'après-midi, encore un autre rendez-vous, c'est pour les élèves du secondaire de la 7e année fondamentale jusqu'au secondaire 3 pour la remise des carnets. Dimanche 25 à 2h de l'après-midi, remise des carnets pour les élèves de la première année fondamentale jusqu'au secondaire 3. Et le dernier grand rendez-vous, c'est pour quelle date? Le dernier grand rendez-vous, c'est pour le 3 novembre. Ce sera un mardi, mardi 3 novembre, à 7h du matin pour l'ouverture des classes. C'est-à-dire le mardi 3 novembre, nous allons entamer la nouvelle année académique 2020-2021. Je réclame votre attention et votre silence, les petits, les élèves, vous taisez. Encore une fois, je vous exprime mes sentiments de gratitude. Je suis vraiment content de faire partie de cette famille, la famille d'Altagrâce et la famille éducative de Notre-Dame d'Altagrâce. Merci pour tous ces gentils mots. Merci pour ces souhaits, non seulement des souhaits d'anniversaire, mais des souhaits pour toute la vie. Mais nous allons continuer à prier les uns pour les autres pour que ces souhaits se réalisent dans ma vie et dans votre vie. Merci à tous les parents, merci à nos chers enseignants, merci aux membres de la direction. Un merci particulier à tous ceux-là qui ont œuvré pour cette belle cérémonie que nous avons eue. Tout ce que vous avez vu, vous avez vécu ici ce matin, c'est l'œuvre du père Jean-Anaël Bonhomme avec Madame Balthazar, Madame Marie-Laude Balthazar, Madame Éramile Caroline Beaubrun, et accompagné de tous les professeurs, ainsi que de beaucoup de groupes d'élèves dans différentes classes. Je vous remercie tous et toutes, et vous allez m'aider à applaudir tout ce bon monde-là qui forme la famille de Notre-Dame d'Altagrâce. Et les parents viennent de faire connaissance avec l'hymne de l'école. C'est une composition du père Jean-Anaël Bonhomme. Et nous avons deux versions musicales de cet hymne. La version que nous venons d'entonner, c'est l'œuvre de Seven Stars Productions. Et il y a une autre version du maestro David Daniel. Dans une autre occasion, vous aurez la possibilité de découvrir cette version. Merci encore à chacun, merci à tous. Merci Père Frankie Désir, curé de la paroisse et directeur général de l'école. Merci pour le souci qu'il a
non seulement pour la paroisse et pour l'établissement. Merci pour sa sollicitude pastorale. Merci pour cette célébration eucharistique. Bonne fête, bon temps de repos à chacun et à tous. Chers amis, chers enfants, permettez que je reprenne la parole avant de vous donner la bénédiction pour dire combien je suis fier. Fier du staff, fier des membres de la direction, fier de mes collaborateurs, révérend Père Sénal Normil, directeur de l'école, révérend Père Jean-Anaël Bonhomme, directeur adjoint, et révérend Père Marc-Arthur Salomon, directeur spirituel. Je suis fier également de tous les membres de la direction qui font un travail spécial, un travail exceptionnel. Je leur dis de tout cœur merci. Merci. Merci pour votre collaboration. Merci Madame Balthazar. Merci Madame Mercilia. Merci Madame Enive. Merci encore une fois à tout le corps professoral. Merci cher professeur. Merci pour ce que vous êtes pour l'école, pour les élèves, pour l'Église. Merci de votre précieuse collaboration. Moi, je voulais dire merci à tout cœur, encore une fois, monde qui va nous manger chaque jour, qui fait élèves yo capable de travailler bien. Des élèves, depuis qu'ils n'ont pas mangé, ils ont dormi dans l'école là. Nous pas capables pas dire cuisinier yo merci. Et il y a un élève qui dit, mon père, est-ce que pendant vacances là, est-ce que n'a déplacé cuisine là pour aller mettre la caïno? En tout cas, même si cuisine n'a pas déplacé, cuisine là, il y a toujours là à quelque soit moment, nous capables venir pour nous recevoir plat chaud que cuisinière nous yo préparé pour nous. Nous disons merci, merci à ménagère yo, merci à gardien yo, merci à vous tous. Chers parents, merci de la confiance que vous avez placée en nous, que vous avez placée à l'école Notre-Dame d'Altagrâce. Nous ferons toujours de notre mieux pour mériter votre confiance. Merci à tous, merci à vous, chers élèves. Je vous souhaite d'agréables vacances et à vous tous. Chers élèves de NS4, je vous souhaite du succès aux examens officiels. Nous nous tournons maintenant vers notre frère. Vers notre frère personnel. Pour lui dire encore joyeux anniversaire. Nous gagnons chance, nous gagnons personnel comme directeur dans l'école là. L'école là toujours ben nous bon directeur. Après Père Dominique, nous voulons gagner personnel. Encore une fois, Nabat, un gros bravo pour personnel. Et nous confié personnel à Maman Marie. Nous confié nous toutes et nous chaque à Maman Marie pour continuer la prière pour nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Fatima, priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame de Fatima,
Priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame d'Alta Grâce. Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église là. Inclinez-vous maintenant pour recevoir la bénédiction que nous, les prêtres, allons vous donner. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.